Encore 3 minutes, 3 minutes. Encore 2 minutes, 2 minutes. Encore 1 minute, 1 minute. Mesdames et messieurs, demi-finale des Petits As de Tarbes 2016, Mondial Lacoste. Opposant à droite de la chaise, Porna Deval de Croatie. À gauche de la chaise, David Tachkala, Pologne. Partie au meilleur des trois manches avec jeu décisif dans toutes les manches. Porna Deval a gagné le tirage au sort et a choisi de servir. Donc voilà, première demi-finale des garçons, après avoir assisté à ce match en 3-7 passionnant des jeunes filles. Nous allons assister donc à la première demi-finale des garçons, avec, comme vient de l'annoncer l'arbitre, la confrontation entre David Tachkala, pas facile à prononcer, le Polonais, tête de série numéro 2, contre Borna Deval, le Croate. Donc c'est l'opposition des meilleure tête de série, puisqu'on a la tête de série numéro 2 contre la tête de série numéro 4. Borna était en finale à Bolton la semaine dernière, donc il est en forme. Et le Polonais, qui fait un parcours remarquable souvent, n'était pas à Bolton. Voilà, donc début du match avec service du Croate, Borna Deval. Très bonne entrée en matière dès ce premier jeu. Donc sur le service de Borna avec un bel échange. Donc les deux joueurs font partie du gratin européen puisque l'un est numéro 4 et l'autre est numéro 2. Numéro 7 plus exactement, il est tête de série numéro 4 ici, le Croate, mais il est numéro 7 européen et Tachkala est numéro 3. Donc ça fait partie vraiment des meilleurs joueurs européens, voire deux gabarits intéressants. Deux joueurs... qui pratique un tennis offensif et je pense qu'on va assister à une belle confrontation de ces deux joueurs parce que deux joueurs qui sont en forme et maintenant est-ce que peut-être l'enchaînement Bolton-Tarbes sera un peu difficile peut-être pour Borna, on ne sait rien puisqu'il était en finale la semaine dernière et que ça demande quand même beaucoup d'efforts pour ces jeunes plus la pression qu'il y a donc c'est pas évident et malgré tout on voit que Borna commence très très bien son match en étant agressif dans les frappes et en essayant de prendre le jeu à son compte.
40-15. Oui, très bon jeu du Croate qui vraiment s'est imposé sur son service avec belle qualité de frappe, bonne prise d'initiative, bon service, vraiment très très bon premier jeu, très bonne entrée en matière. Donc apparemment pas de round d'observation, les joueurs rentrent vraiment tout de suite dans le vif du sujet et c'est vraiment très intéressant. Maintenant on va voir un peu plus maintenant avec le service du Polonais. Qui est un grand gabarit, très grand. Donc c'est deux joueurs très athlétiques qui sont service grands et qui David Tashkala. Qui ont beaucoup de qualité. Oui. 15-0. Bel enchaînement. Il faut dire aussi que pour ces jeunes, c'est quand même une découverte, parce qu'en dehors du fait de jouer des matchs en jeu, il y a aussi le phénomène public, parce qu'il y a un public impressionnant, il y a énormément de monde ici à Tarbes, et ces jeunes n'ont pas l'habitude de jouer. Ils jouent avec en moyenne, je dirais, 10, même 30 spectateurs dans les tournois, puisque c'est souvent la famille, les entraîneurs, les copains. Et là, ils se retrouvent avec un public important, et vraiment comme dans les grands tournois. Et tout ça, c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte, parce que ces petits bouts de choux là, qui sont là au milieu du cours, ils se sentent quand même observés. Il y a toute une pression exercée par effectivement le public, mais par aussi les médias, par tout un tas de gens qui sont autour, qui leur font vivre quelque chose d'assez exceptionnel et qui fait partie de la formation. Et c'est quand même très intéressant pour eux de vivre ce genre de choses, parce que s'ils veulent devenir forts un jour, il faudra gérer tous ces paramètres. Il y a les paramètres sur le terrain, mais il y a aussi les paramètres hors du terrain. Et tout ça là, il faudra les gérer un jour. Donc autant commencer très tôt à l'apprendre. Voilà, c'est des jeunes, je rappelle, qui sont vraiment en formation. 35. Oui, on peut voir que les deux joueurs à tour de rôle sur leur service cherchent à imposer leur jeu, à avoir un enchaînement derrière un bon service, même si là, le Polonais n'a pas passé sa première balle, mais sans qu'il y a des intentions qui sont importantes chez ces deux joueurs derrière le service. Voilà, c'est un bel enchaînement là. C'est dommage, mais c'est un bel enchaînement derrière ce bon service, ce décalage en coup droit. Et malheureusement, cette faute dans le bas du filet qui gâche un peu, qui gâche tout et qui permet aux Croates de revenir à 30-40. Enfin, 40-30 sur le service du Polonais. Aux Croates, pardon. C'est remarquable ce que vient de faire le Polonais là, avec qualité de balle impressionnante, avec rentrée dans le terrain, avec ce revers décroisé, avec un relâchement impressionnant et qui a permis à la balle d'aller vraiment très vite. Et c'était vraiment très très beau ce qu'a produit le Polonais sur cet échange. Un partout, chaque joueur, on peut voir que par rapport aux filles précédemment, les joueurs s'imposent beaucoup plus sur leur service, c'est normal, ils ont un gabarit qui est plus imposant, qui est plus important,
qui leur permet de construire plus que les jeunes filles tout à l'heure derrière leur service où le retour prenait le pas sur le service. Faute de revers du Croate qui est vraiment pas loin de la ligne, qui malheureusement pour lui est faute, c'était particulièrement bien joué. Maintenant il peut prendre un peu plus de sécurité et ça aurait la même efficacité. Bonne première balle. 15 ans. Oui, bel enchaînement. On a pu voir que malgré un bon service, le Polonais a réussi à renverser la situation et à prendre l'initiative du jeu sur le service du Croate et à profiter tout de suite pour aller vers l'avant. Je pense que ce Polonais cherche vraiment à aller vers l'avant et c'est vraiment très très bien ce qu'il fait là. Mais pour le moment, le Polonais me semble, en tout cas en ce début de match, un peu plus solide. Et le Croate force un peu ses attaques, prend des zones qui sont très risquées. Et ce qui fait qu'il fait quelques fautes qui permettent déjà de donner deux balles de break au Polonais. Et voilà, une troisième faute là. Où il force un peu son jeu, il doit sentir la pression de son adversaire qui a une très belle qualité de balle et il force un peu sur ses coups, ce qui donne donc ce break au Polonais. On va voir si le Polonais gère bien son service. Là, il a fait un très bon premier jeu de service. Maintenant, on va voir sur la durée s'il est capable d'imposer son service et de faire que ces breaks soient vraiment déterminants, ce qui n'est pas toujours le cas dans ces catégories d'âge-là. Oui, bel enchaînement. C'est intéressant de voir comment le Polonais cherche à s'imposer sur son service. Et s'il arrive à le faire, ça sera vraiment très dur pour le Croate. Voilà, très bien joué. Belle première balle, bon décalage de coup droit. On joue dans l'espace ouvert et c'est vraiment très bien.
Ouais, le Polonais est vraiment très offensif et il ne laisse absolument pas le Croate s'installer dans l'échange. Et dès qu'il peut, ben, il va vers le filet, il s'impose et il va terminer le point. Ça va être très très dur si le Polonais arrive à être vraiment régulier dans ce qu'il fait, comme il le fait depuis le début, là, tout au long de la rencontre. Ça va quand même être très dur pour le Croate, parce que le Polonais fait vraiment un très très bon début de match. Maintenant, il faut tenir, hein, un match est long, hein, surtout à cet âge-là. Encore une nouvelle faute du Croate et qui permet donc au Polonais de confirmer son break et de mener 3. Une nouvelle faute du Croate là qui est vraiment nettement en dessous là dans ce début de match et qui a beaucoup de mal sous la pression qu'exerce le Polonais qui est vraiment rentré à fond dans cette rencontre. Et bon service. 15 ans. Oui, c'est bien joué de la part de Croate, et c'est Croate qui essaye de perturber le Polonais dans son 35. Jeu et ne pas le laisser s'installer dans ce qu'il fait depuis maintenant 3 jeux où vraiment il est prenait l'ascendant. Là. Il essaye de varier, d'aller au filet, de varier les effets. Et c'est intéressant ce qu'il a montré là. Ouais, dès qu'il reste installé dans le fond de cour, le Polonais exerce vraiment une grosse pression, belle qualité de balle et qui fait que le Croate fait des fautes et force un petit peu en se retrouvant un peu loin en plus de sa ligne, ce qui ne facilite pas la réalisation de ses coups dans ce début de match. Et beau contre du Croate là qui était sous la pression du Polonais qui pourtant avait très bien retourné, s'installait très bien dans l'échange, mais beau contre par ce coup droit croisé. Jeu de balle. Oui, vraiment, le Croate revient. Le Croate a profité donc de cette faute du Polonais qui était vraiment bien dans l'échange. C'était un bel échange. On peut dire que c'est vraiment un très bon début de match avec beaucoup de qualité, beaucoup d'intensité. C'est intéressant de voir le Croate revenir, de voir varier, essayer de changer certaines choses parce que pour perturber ce Polonais qui me paraît vraiment très très bon et très efficace.
au service à David Sakala pour confirmer, donc pour garder plutôt maintenant son break. Mais c'est vraiment un très beau match, vraiment avec beaucoup de qualité chez ces deux jeunes hommes. Et tennis offensif, cherchant à gagner le point, en jouant constamment pour gagner le point. C'est vraiment, le public ne se trompe pas puisqu'il encourage les deux joueurs. Et c'est vraiment un très très bon début de match. Ah, c'était bien joué, c'était vraiment bien joué là, on a vraiment joué un beau combat là, dans le cours, et on voit que le Polonais, dès qu'il peut, essaye d'avancer, essaye de percuter, et de mettre son adversaire en difficulté pour essayer d'aller au filet et terminer. C'est vraiment très bien, c'est de grande qualité, même si la réalisation finale t'est manquée, c'est vraiment très intéressant. Des jeunes qui ont un gros potentiel, Je rappelle que ce sont quand même des jeunes qui ont 14 ans, donc il faut accepter que par moment certaines erreurs et ne peuvent pas tout faire parfaitement, mais là, là c'est juste, là on voit encore cette attaque là croisée en revers avec beaucoup de relâchement dans la frappe. C'est vraiment très bien. Et ce Polonais me plaît beaucoup là, dans son engagement, dans sa façon de jouer, dans sa technique. Casse un peu là au service. Sur cette seconde balle. Bien, belle attaque là. Et dès que la possibilité de rentrer dans le court, il rentre tout de suite dans le court, le Polonais. Et il cherche vraiment à faire mal à son adversaire et à abréger l'échange et surtout aller le terminer en jouant vers l'avant, que ce soit par un coup gagnant ou en terminant à la volée. Bien, 40-30. Là, c'est très intéressant. Il sort le joueur du court et en tous les cas, même si la balle passe, et ben, tout le terrain s'ouvre derrière pour lui. Jeu d'Ashkala. Ashkala mène 4 jeux à 2. Sakala confirme son break et donc remporte son service. Pour mener 4-2, on peut voir par rapport au match jeune fille, pour ceux qui l'ont vu précédemment, que les garçons arrivent à s'imposer sur leur service. Oh, très belle amortie, vraiment très belle amortie en rentrant au terrain. C'est intéressant ce qu'il a fait là parce que l'amorti doit être, c'est pas un coup de défense, c'est un coup d'attaque. Et on a vu que le Croate est rentré dans le terrain et le Polonais pensait qu'il allait l'agresser et monter peut-être au filet. Mais il a fait une amortie gagnante. Mais c'est vraiment un coup d'attaque, hein. C'est pas un coup de défense, c'est un coup que l'on fait quand on ne sait plus quoi faire. Hein. C'est vraiment un coup pour faire mal à l'adversaire. Et le Croate l'a très bien fait. Et a enchaîné avec un service extérieur qui a provoquer la faute du Polonais qui permet au Croate de mener 30-0 sur son service.
encore une fois, on voit que là, le Croate n'a pas hésité, à aller au filet, à profiter justement de ce, d'avoir repoussé son adversaire, d'avoir mis un peu en difficulté pour essayer de faire une montée un peu à contre-temps. Et là, on voit encore derrière ce service, on voit qu'il est prêt à exploiter tout de suite un retour qui peut être court en rentrant dans le terrain. Donc 4-3, il remporte son service. Donc le Polonais est toujours devant. En reprise. Au service, David Taxala. Le Polonais a pris beaucoup de risques sur cette deuxième balle, qui n'était pas vraiment une deuxième balle. Je pense qu'il a, il a vraiment forcé, et il a pris vraiment beaucoup de risques. Vraiment très très bien servi avec cet enchaînement remarquable derrière. Ah ouais, c'est vraiment très très bien joué, très bonne première balle, très bon enchaînement, on termine à la volée. 15 ans. C'est vraiment un très beau jeu que développe ce Polonais, c'est vraiment un jeu d'avenir. Et quel que soit le résultat ou l'efficacité qu'il peut en tirer à 14 ans, ben c'est quelque part, c'est bien de gagner maintenant, mais c'est surtout plus tard qu'on lui demande d'avoir cette efficacité. Et là, il est sur de bons rails, parce que c'est vraiment, c'est encore une belle première, un peu slicé. Il a un très bon déroulé au service, il est relâché. Il présente beaucoup de qualité, jeu très complet. Voilà, service extérieur, coup droit dans l'espace libre. Vraiment, c'est du grand tennis, c'est du, je dirais, du tennis de champion en miniature. Et c'est ce qu'on peut voir, on a pu voir ces 15 derniers jours à l'Open d'Australie. C'est vraiment ce genre de schéma de jeu, et c'est vraiment très intéressant de le voir produire ça. Encore une bonne première balle. Voilà, première balle, et décalage coup droit, on monte sur le revers, une balle profonde qui provoque la faute de son adversaire par un passing dans le filet. 5-3, ce Polonais tient très bien son service, il a fait le break en début de set, et dire que depuis, il gagne son service, pas tranquillement, mais bien, en faisant bien. Donc le Croate se retrouve maintenant le dos au mur, parce que lui, par contre, il n'a plus le droit à l'erreur. 15-0. Bonne première, on retourne... plus que moyen, parce que le retour était relativement facile quand même. Il aurait pu faire jouer son adversaire un peu plus. Il ne faudrait pas que le Polonais se repose uniquement sur son service, parce que c'est jamais facile à 5-4 de... Voilà. Point très bizarre, parce que le Croate est monté son service à une volée facile qu'il a ratée. Derrière, il s'est fait lober avec ce coup qui manque totalement de rigueur et d'application. Il aurait pu faire beaucoup mieux, et il pouvait surtout ne pas la jouer entre les jambes comme il l'a joué. C'est quand même bizarre, parce que c'est un moment important du match. Il menait 15-0, et je pense qu'il ne faut pas qu'il se fasse ce genre de coup à ce moment-là du match, quand on a la possibilité de faire autre chose.
Voilà, tout de suite il est pénalisé, il fait une faute directe encore, et là il, sans que le Polonais ait fait quoi que ce soit dans ce jeu, ben, il se retrouve à mener 30-15 et être à 2 points du set. Balle très profonde du Croate et qui tout de suite est rentrée dans le terrain. C'est ça qui est intéressant chez ces deux joueurs, c'est qu'ils ne laissent passer aucune occasion d'être agressif, d'aller chercher le point, d'avancer et de faire mal à l'adversaire. 30 à. Ah là 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 là, faute directe là qui coûte cher parce que c'est une balle de 4-5 plutôt. Et il n'y a pas besoin de la forcer autant, vous pouvez peut-être la jouer tranquillement le long de la ligne et essayer de monter sur la balle suivante. 40 à. Ben, le Polonais a de la chance, là il n'est pas pénalisé parce que ben, le Croate lui redonne tout de suite le point avec un revers dans le filet sans trop se placer. Fait que ben il se retrouve à nouveau à 2 points du set. Oui, très bon retour, très bon. Oui, très bon. Ah, c'est dommage, le Croate avait bien joué, mais ça volait, était complètement raté, ce qui a permis donc aux Polonais ben, de le passer. C'est dommage parce que le Croate avait pas mal joué, malheureusement. Ben. Il se retrouve avec une balle de 7 sur son service contre lui, ce qui est intéressant pour le Polonais parce que derrière, s'il gagne ce set, il va commencer tout de suite par servir dès le début du second, et c'est vraiment un avantage quand on voit ce qu'il réalise depuis le début où il a quand même tranquillement gardé son service et il fera la course en tête. Ouais, bel échange encore, et le Croate est là, hein, le Croate ne va pas lâcher, il ne va pas lui donner le match comme ça. Et faute directe, un peu surprenante parce qu'il aurait pu tranquillement la redonner dans la diagonale. Ah là 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 là, à nouveau une faute directe du Croate qui redonne une nouvelle balle de 7. Oh là, ils se donnent des cadeaux là mutuellement. C'est la deuxième faute directe sur une balle de 7. Et le Croate a donné deux beaux points pour donner des balles de 7. Mesdames et messieurs, par respect pour les joueurs, merci de ne pas utiliser le flash photographique. C'est peut-être la tension de l'enjeu de se retrouver sur net demain pour la grande finale devant un stade qui sera comble, qui commence à déjà être plus que bien garni puisqu'il ne reste plus beaucoup de place. Première balle qui ne passe pas, donc deuxième balle, attention au retour. Voilà. Alors on voit tout de suite que dès le retour, le Polonais a agressé son adversaire et il a pu se mettre en position pour décocher un coup qui a mis le Croate en difficulté et a provoqué la faute pour lui donner une troisième balle de 7.
Encore une belle montée au filet du Croate, mais avec une volée très moyenne, plus que moyenne, qui a permis aux Polonais de passer. Mais c'est dommage parce que l'échange était très bien joué. Et malheureusement, c'est à la volée que le Croate pêche un peu dans sa technique, qui à chaque fois donne une possibilité de passing à son adversaire. Et c'est vraiment dommage. Donc 6-3 pour le Polonais dans cette première demi-finale. Je vous rappelle le programme qui va suivre, puisque derrière nous aurons la deuxième demi-finale des jeunes filles, qui sera suivie de la deuxième demi-finale des garçons, avec le match tant attendu ici à Tarbes aujourd'hui, avec le Français Harold Maillot qui va tenter de jouer sa première finale à Tarbes et qui sera opposé à un Américain, Lustian. Donc ça va être un match qui sera aux alentours de 14h, 14h30, qui va être 14h30, 15h même, suivant le déroulé des matchs précédents. Mais c'est un match qui est ici très attendu et où on espère que vraiment notre petit Français reproduira le match qu'il a produit hier et atteindra la finale. Il joue un adversaire contre qui il a déjà gagné la semaine dernière à Bolton. Donc il part très très légèrement favori, même si on sait que Tarbes c'est très particulier, la surface est un peu différente de celle de Bolton, et surtout la pression est extrême, puisque comme je le dis depuis hier, c'est vraiment un tournoi du Grand Chelem. Sur les 10 premiers joueurs mondiaux actuels, 8 sont passés aux petits as. Les petits as, le tournoi qui découvre les stars de demain. Ne manquez pas les futurs Djokovic, Nadal ou Federer. Tournoi des petits as, dimanche, 18h, sur l'équipe 21. Le Croate est sorti du cours. Et le Polonais est déjà en place. On sent vraiment une grosse détermination chez ce Polonais. Et sent qu'il est prêt à en découdre très rapidement et avec l'ambition de remporter ce match le plus rapidement possible. Deuxième manche au service, David Dashkala. Un petit 1 s'il vous plaît, les joueurs vous attendent. Oui, on voit que le Croate essaye tout de suite, dès ce début de deuxième set, de prendre l'initiative du jeu et de repousser, de ne pas subir le jeu du Polonais qui jusqu'à présent a essayé d'imposer son jeu en avançant constamment, en essayant d'aller vers le filet, notamment sur son service. Et là, c'est le Croate qui a pris l'initiative dès ce premier point. Oui, beau passing du Croate. C'était vraiment, là aussi, c'était conforme à ce que le Polonais fait depuis 0-30. Le début. Bonne première balle, prise d'initiative, coup droit de déplacement pour prendre place au filet. Malheureusement, la volée était un peu lente, n'était pas assez profonde ni assez agressive, et ce qui a permis au Croate d'ajuster son passing. C'est intéressant, 30-0 d'entrée sur le service du Polonais quand on sait qu'il n'a pas perdu son service depuis le début. La coup droit très profond. 15-30. Pour revenir à 15-30. Beau contre du Croate où il y avait un bon service, une bonne attaque, et avec
un passing que conteste un peu le polonais, mais qui apparemment est bon. 15-40. Et qui donne d'entrée deux balles de break aux Croates. Très mauvais jeu quand même du polonais là, qui termine par une double faute sur une balle de break, et donc d'entrée le croate fait le break. C'est important parce que depuis le début du match le polonais avait gagné son service assez facilement, et ce qui lui avait permis de faire la course en tête et de s'imposer. Comment maintenant va-t-il réagir avec la perte de son service? Comment le croate, est-ce que le croate va être capable de gérer son service maintenant pour rester devant? Rappelons qu'il a perdu deux fois son service dans le premier set, donc voilà. Oui, belle prise de risque dès la deuxième balle. Le Polonais continue sur sa lancée. 0-15. En tout cas sur ses choix tactiques d'agresser l'adversaire, d'être agressif dès le retour. Et là, c'est un très bon retour qui permet de faire le point. 0-30. Il ne faudrait pas que le croate lui donne tout de suite les points et qu'il perd tout de suite son service rapidement, parce que ça peut être compliqué pour lui, parce que là, le Polonais n'aura pas le temps de douter. Hein. Ah, c'était bien joué. 0-40. Les deux joueurs depuis le début cherchent vraiment à faire mal à leur adversaire et aller au filet. Malheureusement, la réalisation à la volée n'est pas toujours parfaite, et ce qui fait que ça Franck. Je touche Kala. Voilà, très mauvais jeu du croate, et qui fait que d'entrée il perd son service et redonne la possibilité aux Polonais de repasser devant s'il gagne son service. Ouais, ben on voit dès ce début de set, tour de rôle, les joueurs sont en difficulté sur leur service, puisque personne n'a gagné son service pour le moment, et que le Polonais se retrouve en difficulté là où il a trois balles de break contre lui. Et ouais, très mauvais jeu là, 40-0, donc qui fait que le Polonais perd pour la deuxième fois son service. De Valde mène deux jeux d'un.
En reprise. Trente-quinze. Voilà, 30 as, vous voyez, cette double faute derrière le Polonais ben, agresse son adversaire, il revient et à 30 as, ben, il est encore vraiment bien pour gagner, remporter ce jeu et revenir avec, dans ce set. Ah ouais, c'est un beau duel et là on peut voir vraiment la qualité de frappe du Polonais et comment et la volonté de faire mal à son adversaire. C'est vraiment très très bien ce qu'il a fait là. Retourne de très loin là, c'est dommage là que sur cette deuxième balle il n'ait pas avancé un peu plus parce qu'il est vraiment très loin du court et c'est un point important, c'est un point important pour vraiment se revenir dans le set avec son service à celui derrière à deux partout, c'est vraiment dommage pour lui. Net, premier service. Bonne première balle du Croate. Avantage. Deux balles. Oui, c'était bien joué, peut-être un peu trop risqué. Et balle de 3 jeux à 1 pour le Croate sur son service. Qui permettrait de confirmer ce break. Oui, très très bon retour. Vraiment très très bon retour du Polonais. Avantage de balle. Ouais, nouvelle balle de jeu pour le Croate pour confirmer ce break.
deux, trois fois que le Polonais reste vraiment un peu loin là derrière, et, alors que jusqu'à présent il était vraiment très offensif dans ses frappes. Et, ah oui, voilà encore où il force en étant très loin derrière, et ce qui fait que le Croate remporte son service et confirme le break et mène 3 jeux à 1 dans ce deuxième set. Donc c'est maintenant où ça, on va voir comment réagit le Polonais. Ça devient vraiment très intéressant et il ne peut plus se permettre de trop perdre, en tout cas de ne pas perdre son service, parce que sinon le set risque de lui échapper. Ah, c'est dommage, c'était bien joué, 15-0. Je crois que a vu que le Polonais était en difficulté et allait faire un coup slicé, ne pouvait pas recouvrir, et aussitôt il est rentré dans le court pour essayer de faire une volée. Malheureusement, peut-être que le choix de la jouer là contre pied n'était pas forcément le meilleur choix. Net, premier service. Oui, c'est bien joué, le Croate avait bien anticipé, était resté du bon côté, mais c'est bien joué de la part du Polonais qui a tout de suite vu qu'il pouvait aller au filet et profiter d'un coup qui était slicé du Croate. Et il a été finir ce point à la volée et il mène 30-0 sur son service. Oui, pas de chance sur ce retour qui donne donc 3 balles de 2-3 au Polonais, qui mettra encore plus la pression au Croate sur son service. Belle pression 44. Sur la deuxième balle du Croate qui a pris très tôt et qui a agressé. Le Polonais n'a pas eu le temps de répondre à cette attaque. Il a été pris de vitesse, et ce qui a provoqué ce coup droit largement dehors. Oui, c'est remarquable là, c'est vraiment remarquable, vraiment où le Polonais a vraiment tout fait là dans ce jeu, sur ce point. Et de Val de Maine, 3 jeux où il a fait ce croisé-coup, il a sorti complètement le joueur pour rentrer dedans et jouer de l'autre côté dans tout l'espace ouvert, et c'est vraiment très très bien joué de sa part. Donc 3-2 pour le Croate qui a toujours l'avantage dans ce set avec ce break fait en début de set. En reprise. Donc au service, le Croate, Borna Deval. Bonne première balle. Pour commencer.
Bon retour, solide du Polonais qui joue long au centre, une balle bombée un peu haute et le Croate qui force son coup droit et qui fait une faute directe. Peut-être pas besoin de la forcer autant. Ah oui, c'est bien joué. C'est vraiment bien joué. Là, c'est tellement peu relevé. On voit qu'ils en ont l'occasion, les jeunes, c'est vraiment filé. Ça, c'est vraiment très, très intéressant parce qu'on voit de moins en moins de joueurs aller au filet. On peut voir que eux, dès qu'ils en ont la possibilité, ils y vont. Et ça, c'est vraiment, ça fait plaisir à voir. Voilà, encore une fois, le Croate qui va au filet. Bon, la réalisation est moins bonne. Ce match est complètement raté. Il a sauté un peu trop tôt. Mais ça ne fait rien. Je pense qu'il faut qu'il continue, qu'il ne se décourage pas et qu'il continue à développer ce jeu parce que c'est vraiment très, très bien. Et on voit des jeunes qui jouent constamment pour aller gagner les points. Et ça, c'est bien. Ouais. Ils ne se contentent pas de rester au fond et d'attendre la faute de l'adversaire. C'est vraiment deux jeunes qui sont dans un tennis, qui pratiquent un tennis très offensif. Net, premier service. Net. Ah, la balle, deuxième balle, là où il essaie d'agresser, mais ça va l'accroche le filet. Le Croate a une balle de 4-2 pour continuer à rester, faire la course en tête avec un break d'avance. Très bon service, un service kické extérieur qui, en suivant au filet, ce qui oblige le Polonais à prendre un risque sur ce retour et qui malheureusement va nettement dehors et il aurait dû peut-être avancer un peu plus pour essayer de couper la trajectoire et pas de se laisser repousser complètement à l'extérieur. 4-2 pour De Wald dans ce deuxième set. Bonne première, bon engagement dans le terrain derrière. Vraiment, le Polonais fait très très bien ce schéma de jeu et qu'il répète souvent. Et c'est vraiment très très bien ce qu'il fait sur son service. Bonne première balle, 30-0. Oui, très, très bonne seconde, là, très très longue, très liftée, ce qui a vraiment mis en difficulté le Croate. Et le Polonais se retrouve avec 3 balles, 2, 3, 4. Encore très bonne première balle. Voilà, et monter derrière et revers l'année pour aller au filet. 4-3 pour le Croate. Qui va devoir, je crois, vraiment garder son service jusqu'au bout s'il veut remporter ce set. Car le Polonais n'a pas l'air décidé à perdre une deuxième fois son service. Reprise.
donc au service de Val pour essayer de conserver cet avantage. 0-15. Mais maintenant, la pression va être de plus en plus importante à l'approche de la fin du set. Et il sait qu'il n'a pas le droit de perdre son service. Donc on voit ce coup droit un peu forcé, là, un peu en arrière. Et 0-15. La première balle ne passe pas. Ah, bon passing, le Polonais, je ne sais pas s'il pouvait le jouer, on a l'impression qu'il pouvait la jouer et qu'il l'a laissé passer. Il avait pris le filet, on peut voir que tout de suite il avait essayé de prendre l'initiative du jeu, mais bon passing 15 ans. Oh, c'est remarquable. Le jeu de défense de ce Polonais a été remarquable. Il a eu une première attaque. Il a été pris sur une première attaque. Il a fait un lob de défense remarquable pour essayer de reprendre l'initiative du jeu. Il s'est retrouvé en défense avec ce passing croisé qui était très bien touché. Et vraiment, c'est remarquable parce que le Croate n'a rien à se reprocher. Il a vraiment bien joué dans ce point. 15-30. Ah oui, une faute directe, là, un peu bête. 30-1, c'est vraiment là, on assiste vraiment à un match de grande qualité, même si quelques fois de temps en temps, c'est quand même un match de qualité. Ces deux joueurs sont vraiment totalement dans l'esprit. Et c'est vraiment un grand plaisir de les voir jouer. Oh là 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 là, 40-30. Là, il n'était pas trop dur. Là, il a mis un peu de temps à avancer dans le terrain. C'est dommage parce qu'il avait une belle occasion de prendre le filet et de mettre en difficulté le Croate et pour se procurer une balle de débreak. Et malheureusement, son attaque a été dans le filet. Il a manqué un peu de jeu de jambes sur ce coup-là. Et une balle de 5-3 pour le Croate. C'est un peu forcé, c'est vraiment dommage parce que c'est bien joué, il reste sur la diagonale pour sortir le joueur du court. De Val de mettre 5 jeux à 3. Dans le terrain et jouer le mail, il a un peu forcé. Et le Croate se retrouve donc à conserver son service, 5-3, donc on va se retrouver dans la même situation qu'au premier set où le Croate lui servait pour revenir à 4-5. Et là c'est au tour du Polonais de servir pour revenir à 4-5 dans ce set. Oui, c'est le même schéma que précédemment où sur cette diagonale croisée il a essayé de jouer le long de la ligne et à nouveau il vient de faire la faute. C'est vraiment dommage. Oui, très bien joué. Très bel enchaînement service volée avec un service extérieur et derrière une montée au filet avec une volée gagnante. Oui, là, le Croate est vraiment très offensif, là. Et dès qu'il en a l'occasion, il a compris qu'il fallait que soit lui qui prenne l'initiative du jeu et qu'il aille au filet. Sinon, c'est le Polonais qui le fera et il se retrouvera en difficulté. Et là, il mène 35, il est à 2 points du set. Ouais, beau passing, là, attaque un peu courte. Un peu moins percutante, qui fait que le Croate se retrouve avec deux balles de set, deux balles de deuxième set. Et oui,
beau passing du Polonais avec encore une attaque du Croate. On va voir que sont à tour de rôle. 30-40. Les deux joueurs cherchent vraiment à aller au filet et ils ne veulent pas laisser le filet à leur adversaire. Et c'est vraiment très sympa à voir ça parce que c'est un réel plaisir de voir ces jeunes jouer comme ça. Et très belle première balle de service. Voilà. Encore une fois, voilà, beau contre du Croate. Encore une fois, ben, le Polonais essaie d'aller au filet. Son attaque est un peu moins percutante et il se fait prendre en contre par un beau passing dans la ligne. 1-7 partout, 6-3 pour le Croate. Sur les 10 premiers joueurs mondiaux actuels, 8 sont passés aux petits as. Les petits as, le tournoi qui découvre les stars de demain. Ne manquez pas les futurs Djokovic, Nadal ou Federer. Tournoi des petits as, dimanche, 18h, sur l'équipe 21. Installez-vous rapidement, s'il vous plaît. Le jeu va reprendre. Reprise. Dernière manche au service, Borna de Wald. Installez-vous rapidement, s'il vous plaît. Les joueurs vous attendent. Troisième set, donc, voilà, avec au service Borna de Wald, le Croate, pour un set décisif et qui devrait être vraiment très intéressant vu ce que les deux joueurs nous ont montré depuis le début de la rencontre. On voit que les jeunes ont toujours d'entrée les mêmes intentions puisque le Polonais tout de suite a essayé d'agresser son adversaire sur sa deuxième balle et sur le deuxième coup en provoquant la faute. 0-30. Deux fautes d'entrée, il ne faudrait pas que le Croate perde tout de suite son service parce qu'il peut vraiment se retrouver en grande difficulté vu la qualité des deux joueurs sur leur engagement qui à chaque fois... Ben, pour garder l'engagement pour remporter le set. Donc, là, dans la troisième faute, là, vraiment, le Croate se met en grande difficulté tout de suite. Oh.
15-40 avec une faute de revers, donc un revers un peu forcé du Polonais. C'est mauvais. C'est dommage parce qu'on sent vraiment le Polonais décidé à faire mal à son adversaire dès ce début de troisième set et à prendre l'initiative du jeu. Malheureusement, là, il n'a pas continué dans ce qu'il était parti de faire dans l'échange et il a voulu changer un peu de rythme à ce coudroit CAIC qui n'était pas forcément le meilleur des choix. Oh là là, c'est le double faute peut coûter cher puisque d'entrée le croate perd son service. Et il se retrouve déjà dès le premier jeu un peu le dos au mur parce que pour faire un peu l'histoire de ce match, le premier set, dès le premier break, ça avait permis aux Polonais de garder l'avantage jusqu'à la fin du set. Et dans le deuxième set, ça a été la même chose, mais à l'envers, puisque c'est le Croate qui, dès qu'il a fait le break, a gardé l'avantage jusqu'à la fin du set. Donc est-ce que le Polonais va être capable de rééditer ce qu'il a fait au premier set en conservant son service? On va le voir tout de suite. Il commence exactement comme le Croate sur son service par une faute direct dès le premier point, coup droit dans le bas du filet. Peut-être que les joueurs sont un peu tendus en ce début de troisième set. Ils sentent que ça se joue là maintenant. Ouais, ça fait un deuxième mauvais choix, pareil. 0-30. Que c'est le même jeu que précédemment, mais dans l'autre sens. Cet amorti était vraiment inutile. De continuer à faire ce qu'il faisait depuis le début derrière son service, de rentrer dedans et de jouer dans l'espace. Voilà, ça c'est très bien, le service derrière en rentrant dans le court, l'attaque, bon, peu risquée, la perte avec la ligne, mais bon, en tout cas elle est bonne et Polonais revient à 15-30. Oh là, ça fait du bien, ça fait du bien cette faute directe là. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Là, en ce moment, chaque joueur donne des points et des points gratuits. Et on n'a pas été habitué à ça depuis le début. Je pense qu'il y a peut-être beaucoup de tension. Oh là là, très belle deuxième, il faut être gonflé. Vraiment, il a beaucoup de cran ce Polonais parce qu'il fallait le faire à ce moment-là du match. Et donc c'est vraiment remarquable. Hein. Vraiment, ce Polonais a d'énormes qualités.
Ah, nouveau, une double faute, alors là, vraiment. Il fait un point remarquable le coup d'avant, il prend un risque énorme, et si c'est pour redonner un point, ça fait la deuxième dans ce jeu. Ça peut devenir compliqué à ce moment-là pour gagner, pour emporter son service. Une nouvelle faute, là vraiment c'est un peu du gâchis sur ce jeu, et on se retrouve à un partout. Ah oui, belle accélération du Croate là. 15-0. On peut voir que si le Polonais ne prend pas l'initiative et se reste un peu derrière et se fait bouger, il a un peu de mal, il fait pas mal de fautes. Je crois qu'il a tort d'attendre et je pense qu'il faut qu'il continue à pratiquer le jeu qu'il a fait depuis le début et même sur le service. Je crois dès qu'il a l'occasion, qu'il aille. Parce que là, il devient nerveux, peut-être l'enjeu le rattrape un petit peu, mais il joue pas tout à fait le même jeu qu'il a pu jouer dans les deux sets précédents. Fait un très mauvais jeu là, un très mauvais jeu de retour. Et pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude. 2-1, il n'a pas perdu son service, mais il faut vraiment qu'il se reprenne tout de suite. Encore un bel échange, mais je dirais que le Polonais l'a hésité, on le sent un peu plus hésitant à aller vers le filet, peut-être parce qu'il s'est fait prendre en fin de set assez souvent, parce que là, il a eu deux occasions d'aller au filet, et il n'y a pas été, il a avancé toujours comme il fait dans le cours, mais il est resté beaucoup plus prudent.
Oula. Oula. Je pense qu'il voulait faire, le croate voulait faire une amortie. Et là, malheureusement pour lui, elle a vraiment été mal touchée et assez mal réalisée. Et ça donnait vraiment un coup complètement manqué qui donne donc 30-0 au Polonais sur son service. Construction du point en fond de cour, là où le Polonais a attendu l'ouverture, il a été un peu plus patient. 40-0. Mais c'est vrai qu'il met un peu plus de temps à aller vers le filet. Et je pense que l'enjeu est en train de le rattraper et qu'il sent qu'il n'a plus trop le droit de perdre son service parce qu'il sent aussi la pression du Croate qui lui est toujours aussi agressif. Bon retour pourtant le Croate était complètement à l'extérieur du court, donc il n'avait plus trop de solutions. Il a frappé très fort sur le joueur polonais, mais qui était un peu pris de vitesse et n'a pas su réagir et a fait la faute. Ah oui, bon, remarquable, on voit, vraiment remarquable. Une très bonne construction du point avec un jeu de défense remarquable du Croate. Et vraiment, ce Croate est impressionnant sur le plan de la combativité. Très bon physique, se déplace très bien. Et là, il a été chercher cette demi-volée. Malheureusement, ce n'était pas suffisant. Et le Polonais a remporté son service en faisant cette volée qui lui donne... Donc le gain du service et se retrouve à deux jeux partout dans ce troisième set. Ouais, vraiment, on sent le Polonais très très déterminé. Il est un peu plus prudent, il se précipite un peu moins, il essaye de déplacer son adversaire et de préparer un peu mieux ses attaques. D'y aller un peu moins vite, il te donne un coup ou deux de plus. Mais c'est vraiment très très bien là. Là, il est reparti de plus belle. Bonne première, rien à dire sur le T, 15A. Très bien joué, ce Croate est vraiment impressionnant sur le plan du physique, de la rapidité, de la volonté de faire mal à son adversaire dès qu'il peut. Et il est très tonique. Il faut descendre sur les jambes là. La balle est slicée, la balle est très basse. Le Polonais doit descendre encore plus sur les jambes, faire un coup recouvert en prenant un peu plus de sécurité. Et là, il veut la frapper un peu trop forte. Je pense qu'il faut qu'il prenne beaucoup plus de marge là, sinon il fera ce genre de faute régulièrement. Jeu de balle. Faute directe en retour. 3-2, le Croate remporte son service. Donc, et se retrouve à faire la course en tête dans ce troisième set. Sur les 10 premiers joueurs mondiaux actuels, 8 sont passés aux petits as. Les petits as, le tournoi qui découvre les stars de demain. Ne manquez pas les futurs Djokovic, Nadal ou Federer.
Tournoi des Petits As, dimanche, 18h, sur l'équipe 21. Installez-vous rapidement, s'il vous plaît, le jeu va reprendre. En reprise. Au service, c'est donc David Tsakala pour recoller à 3 partout. Et surtout, garder son service, parce que je pense que le premier qui va perdre son service va être vraiment en grande, grande difficulté vu la qualité des initiatives que chaque joueur peut prendre, donc ça peut être difficile. Oh là là, je pense que la pression est en train de monter, parce que ce genre de faute, il ne le faisait pas du tout. Et là, il est le dos au mur, et je pense que... Il se met pas mal de pression là, sur son service. Ouais, on voit cette première balle qui est très très faible. Très bon retour, très bon retour. C'est que le Polonais est un peu... 0-30. Comme on dit en jargon tennistique, il est un peu touché et que là, il est moins agressif, il subit, il a fait une mauvaise première balle, il a donné un point, donc c'est... Ça peut être compliqué pour lui, là. Il est nerveux, il regarde son coach, donc... Ah oui. Oui. Le Croate avait essayé de l'agresser, d'enfoncer le clou là, en menant 30-0 et d'aller le forcer à faire un passing, mais qui a été bien réalisé. Il a donné un peu d'angle, ce qui a permis aux Polonais de le contrer par un bon passing de coup droit le long de la ligne. 15-30. Faute. Oui, bonne première balle, mais derrière ce revers 15-40. Qui est pas réellement frappé, qui est un peu poussé et un peu long. Ça va être dur parce que maintenant le Croate arrive à bien lire le jeu de son adversaire et dès que l'adversaire l'attaque, ben il le contre systématiquement. Et comme le Polonais prend la balle un peu plus tard dans ses attaques que ce qu'il faisait au premier set, ben ça donne un peu de temps au Croate pour le prendre en contre, et c'est ce qui se passe depuis un moment. Donc d'où les hésitations du Polonais à l'agresser. On le sent un peu vraiment. On le sent nerveux, là, on le sent vraiment, il manifeste beaucoup quand il perd un point. Et donc ça devient compliqué pour lui, et service le Croate. Hein. Bonne première balle. Non, on sent nettement que le Croate a pris l'ascendant dans ce match. Et ça va être compliqué. S'il remporte ce jeu, ça peut être vraiment très très compliqué. S'il remporte son service... Il faut vraiment que le Polonais lâche tout maintenant et puis ne se pose plus trop de questions. Voilà, et agresse et redevienne le joueur qu'il a été dans le premier set, parce que là, c'est un peu, il fait des frappes un peu à moitié par rapport à ce qu'il faisait en début de match. Ah.
Ah, c'est pas de chance, le passing était bon. Le passing était bon, il a accroché la bande, ce qui... 35. Ce qui n'a pas permis à ce que la balle reste dans le court, et elle est partie dans le couloir. Et c'est dommage parce que c'était bien joué, 35 pour De Valde. Oula, on sent la pression, on sent que le Croate a pris beaucoup de temps pour servir cette deuxième balle. Il a attendu que le ramasseur de balle passe et tout. Il sent que les joueurs là savent que vraiment chaque point va compter, va être déterminant. Donc il y a beaucoup de pression, d'où cette double faute. Oh, retour magnifique, retour croisé magnifique, qui donne une balle de débreak. 30-40. Oh là 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 là. Ah, cette faute, elle fait mal là. Le Croate était vraiment bien, il avait pris l'ascendant, le Polonais doutait, et là il remet cette double faute à 35, elle vraiment lui fait du mal et il remet le Polonais dans le match et il perd son service, mais ce qui fait que le Polonais revient à 3-4 mais avec son service derrière. En reprise. Faute. Oula. La balle est un peu longue, mais vraiment, comme je disais hier, heureusement qu'il n'y a pas le hockey, parce que là, c'est... Oh, belle amortie. Ah, bien joué derrière, le Polonais l'avait anticipé pour jouer cette... On contre derrière et c'est vraiment très très bien joué. 15 ans. Ah, très bonne première 35. Balle, une première balle pas forcée mais très très liftée qui a fait jouer le Croate à hauteur d'épaule en revers, qui était vraiment pas facile et qui permet au Polonais de mener 35 sur son service. Votre première balle. Ah oui, il fait 30. L'ajustement est un peu juste, il fait pas l'effort là, il fait pas assez d'efforts pour s'ajuster. Pour se décaler un peu plus, tourner autour de la balle et parce qu'il ne le joue qu'avec le bras là au lieu de jouer avec les jambes. Et ça, souvent les jeunes font cette erreur de jouer avec le bras sans penser que tout le placement autour de la balle est primordial pour donner de la sécurité et donner de la vitesse et du poids à la balle. Voilà, encore une faute un peu de placement, un peu près, la balle est mal centrée. Et c'est une balle de break donc pour le Croate.
Vraiment, le Polonais se met en grande difficulté là. Hein. C'est dommage, il était revenu à 3-4. Et... Ah, une belle première balle là. Voilà, le schéma, voilà, c'est le schéma qu'il réussissait largement dans le premier set. Et là, avec la tension, la pression. La pression du match, ben, il fait des fautes sur des schémas qu'il réalise très très bien pourtant. Et maintenant... warning, Mr. Taxa. Maintenant, quand on se retrouve à 5-3 au troisième ou 4-3 ou des moments décisifs comme ça, ben, c'est beaucoup plus dur. Et il faut être vraiment très précis dans ce genre d'ajustement. Voilà, une nouvelle faute. Là, ça va être très compliqué là pour le Polonais. Vraiment, si le Croate gère bien ce jeu et gère bien son jeu en gardant un maximum de sécurité, ça va être très très compliqué. Pardon ? Il ne faut pas passer là. Hein. C'est interdit là. Il ne faut pas passer là. 30-0. Pour Deval. Ça devient de plus en plus compliqué pour notre ami polonais. Ah oui, ça c'est beau, ça c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est dommage qu'il ne se soit pas lâché plus. J'espère que c'est pas trop tard, mais c'est vraiment dommage parce que ce Polonais a un tennis merveilleux et qu'il se soit pas, qu'il n'ait pas continué à se lâcher comme il a fait au premier set où vraiment il rentrait dans la balle, il avançait bien avec les jambes. Et là, il a quelques retenues dans ses frappes. Et à part ce dernier revers, c'est vraiment dommage. Oh là 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 là, oh là là, la pression rattrape le Croate maintenant, il sent qu'il est à deux points du match, là il menait 30-0, cette double faute, ça coûte cher ce genre de points. Oui, belle attaque, très profonde, vraiment sur la ligne, mais c'est vraiment une belle attaque. Balle de 4-5. 40. Ah, le Croate peut s'en vouloir là, parce qu'il mène 30-0 sur ce jeu, 5-3, 30-0 sur son service. S'il perd ce jeu, il peut vraiment s'en vouloir. Rien n'est fini, d'abord le jeu n'est pas terminé, et puis le match est loin d'être fini. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué. Le Polonais a vraiment très très bien joué ce point là. Il a une détermination qui est extraordinaire. C'est vraiment remarquable de voir jouer ces deux jeunes parce qu'à tour de rôle, on sent une détermination qui change d'un côté ou de l'autre en fonction du score et on les voit vraiment manifester. Mais c'est vraiment très sympathique de les voir jouer parce qu'il y a beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de qualité dans ce match. Oh, my flag. Oh, 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 oh,
Suisse. Donc au service, David Taxala pour rester dans le match. Donc on va voir maintenant comment il gère, parce que ça fait plusieurs fois qu'il a mal géré son service. Donc on va voir comment il le gère sur ce jeu qui est capital. Hein. Soit il revient à 5 partout, soit le match est terminé. Donc beaucoup de pression sur son service. Un peu timide sur la première balle. Ouais, il est un peu timide là, notre ami. Oh là 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 là, heureusement que le Croate lui donne ce point, parce que c'est un peu timide le... notre ami polonais là. Première balle un peu retenue, derrière des frappes un peu retenues. Donc je suis pas sûr que le polonais, que le Croate fasse des fautes à chaque fois direct. Donc attention, attention. Eh bien, oui. Mais il a de la chance. L'enjeu très certainement, où, le Polonais, j'espère, pour lui, ne pense pas au jeu précédent, parce que sinon ça peut être compliqué. Hein. S'il commence à faire le film du match en se disant je menais 30-0, j'ai 30-15, je fais une double faute. Ouais, c'est des frappes qu'ils n'ont pas vraiment lâchées là. Hein. Le Polonais lâche moins les frappes sur ses coups d'attaque là, et bon, il s'en sort bien encore une fois, mais 3 balles pour égaliser à 5 partout. Facile là, vraiment le Polonais, même 45. L'attaque était un peu moins agressive que les fois précédentes, un peu moins frappée, la volée cherche à l'assurer plutôt qu'à rentrer dedans et avancer, à la claquer. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux en ce moment et que le bras il tremble un petit peu par moment. Oui, c'est des frappes très enroulées, mais qui ne sont pas vraiment bien centrées. Et le Polonais n'arrive pas à retrouver sa fluidité et la qualité de sa frappe. Et je pense que c'est tout simplement l'enjeu et le moment du match qui provoque ça. Parce qu'il a tout pour le faire, mais là, vous voyez, cette frappe est encore un peu bien placée, heureusement, mais en chair. On a senti au bruit que la frappe était moyennement centrée. Il s'en sort bien là, et heureusement que le Croate a donné des points. 5 partout, mais voilà, là maintenant, on est dans le money time, là il n'y a plus de droit à l'erreur. Il faut que le Croate gagne son service, ça c'est impératif. Faute. Ouais, la balle est un peu longue, il la prend un peu tard, il fait une attaque. Les deux dans leurs attaques prennent les balles un peu tard, cherchent à être toujours aussi agressifs, mais en assurant, donc c'est un peu compliqué, et ça donne quelques erreurs. La pression a changé de camp là, il y a un peu de retenue dans cette frappe. Et 0-30 sur son service. Ouh là là, cassé la raquette, le Polonais a cassé la raquette, mais. Et il s'en sort bien là, le Croate, parce que malgré le fait d'avoir cassé la raquette, du Polonais a poussé la balle avec un shot très agressif qu'il a réussi avec une raquette cassée.
Il a forcé le Polonais, le Croate, à faire un passing. Et vous dites que le passing n'était pas facile à réaliser. Il ne s'est pas posé de question, là, le Croate. Il a frappé croisé court. Et vraiment très beau passing parce que ce n'était pas facile à ce moment-là du match. Les premières balles ont un peu de mal à passer. Hein. Donc la deuxième devient compliquée. Oula. Dommage, il lui manque un pas, il lui manque un pas ou deux pour le réussir, ce retour gagnant. Il n'avance pas assez, il le fait à moitié. Et... c'est dommage parce que tous les deux, tout ce qu'il faisait très très bien, il continue à le faire pas trop mal, mais avec un peu de retenue, ce qui donne des erreurs. Et il a encore cassé la raquette, il vient de casser une deuxième raquette sur un retour, donc sur un point très très important. C'est peut-être un peu la jeunesse, parce que quand on voit les grands champions, ça leur arrive jamais ça. Les grands champions, d'abord ils changent de raquette régulièrement, et sur les jeux importants comme ça, ils vont changer de raquette, ils prennent une raquette neuve avec un cordage neuf, ils prennent pas le risque de jouer des points importants avec une raquette qui peut casser. Donc on le voit régulièrement, les meilleurs joueurs du monde changent de raquette et anticipent ce genre de choses. Le Polonais perd ce jeu, mais il casse quand même deux cordes dans ce jeu. Et ça, c'est un petit péché de jeunesse. Et c'est vraiment dommage. Deval de 26, jeu de 5. C'est vraiment dommage parce qu'il aurait changé de raquette à l'amorce du. De ce dernier jeu, avant de servir, ça aurait peut-être été mieux et qu'il aurait joué le jeu dans de meilleures conditions. Sur les 10 premiers joueurs mondiaux actuels, 8 sont passés aux petits as. Les petits as, le tournoi qui découvre les stars de demain. Ne manquez pas les futurs Djokovic, Nadal ou Federer. Tournoi des petits as, dimanche, 18h, sur l'équipe 21. Et de nouveau, le Polonais se retrouve le dos au mur, avec... service à remporter s'il veut rester dans le match et jouer un tie-break décisif. Et là encore, il n'y va pas, avec les jambes, il y va, il y a de la retenue, la balle est un peu descendante au moment de la frappe et ça, c'est des choses qu'il ne faisait pas du tout. Et là, effectivement, à 6-5 au troisième, c'est un peu normal, je dirais, parce que c'est... il y a beaucoup de tension dans ce match. Et, jouer une place à cet âge-là pour jouer une finale à Tarbes, c'est pas évident et ça met beaucoup de pression. Donc 15-0 pour le Croate. Belle seconde. Hein. Très bon point avec un très bon service, un décalage, 15 ans. Risque. 15 ans. C'est dur parce que c'est vraiment un point bêtement donné et se retrouver à 15-30 comme ça sur son service. Hein.
vraiment bien servi. Là, là, il y a vraiment une grosse prise de risque encore. 30 ans, c'est bien parce que c'est pas facile. Là. Beau décalage de coup droit. Oh. Ah oui, c'est remarquable. C'est remarquable. C'est vraiment remarquable. Il faut du temps pour aller le jouer ce coup droit et pour aller 40 ans. Sauver cette balle de match. C'est vraiment. Bravo à lui. Un petit de silence, s'il vous plaît. Merci. Bonne première. Oh là là là. C'est dommage de faire tous ces efforts et puis de donner ce point là. Balle de match pour le croate. Hot. Une nouvelle balle de match jouée de la même façon que la précédente, avec un service extérieur et avec derrière deux coups droits. Le décalage sur le revers du croate. Donc c'est vraiment un schéma qu'il possède bien, qu'il maîtrise parfaitement. Et c'est pour ça qu'il a de sauver donc cette deuxième balle de match. On se décale, on joue un coup droit sur le revers, on fait un décalage. Tachala. Et balle de 6 partout. Balle de tie break. Et courageux ce Polonais, parce qu'il faut aller les faire, les points, c'est lui qui va les faire, c'est lui qui a sauvé le Ponard. Il ne faut pas s'en vouloir sur ces deux balles de match. Là, sur cette balle, c'est à nouveau lui qui prend l'initiative. C'est vraiment bien. Magnifique le service. Oh, le choix est mauvais là, il doit laisser rebondir. Ah, il se précipite pour jouer, ou alors il fallait faire un peu plus tôt pour la jouer un peu plus haute, mais là il doit la laisser rebondir. Ah, il s'est compliqué la tâche là, alors qu'il avait servi remarquablement. Ouais, c'est bien joué. Vraiment, il va aller chercher les points, il va le chercher son tie-break, hein. Il veut y aller. Hein. Il n'a pas renoncé, c'est vraiment très très bien ce qu'il fait là. Avec toujours ce coup droit là qui fait mal en décalage là, qui recommence à bien faire parce qu'il l'avait un peu abandonné dans le début et dans le milieu de ce troisième set.
Bonnet qui conteste la balle. Elle est... Malheureusement pour lui, j'ai peur que l'arbitre ne revienne pas à sa décision. On n'a jamais vu un arbitre revenir sur sa décision. Nous, de là où nous sommes, nous, c'est difficile de juger la balle. Je pense qu'il faut qu'il passe avec et que surtout qu'il l'oublie très vite, sinon ça peut se retourner contre lui. Belle première balle de service. Voilà, toujours ce coup droit sur le revers. Là-bas, dès qu'il en a l'occasion, ça lui fait du bien. Hein. Ce schéma de jeu, on peut dire que ça lui fait du bien dans ce jeu parce que ça lui a permis de sauver les balles de match. Ça lui permet à chaque fois, là, deux fois de suite, de reprendre l'avantage. Et c'est vraiment grande sécurité à ce moment-là du match, hein, d'avoir ce genre de schéma de jeu. Et de le faire surtout aussi bien. Une belle seconde. Et voilà, le croate craque sur ce coup droit qui sort complètement du cadre du terrain. Et donc tie break. Alors là, si je partout, tout peut se passer maintenant. Tie break. Le croate va commencer à servir. Voilà, je ne sais pas trop ce qu'a voulu faire le Polonais, je ne sais pas pourquoi il a fait ce revers qui était un peu exagérément coupé, s'il voulait faire une amorte, je ne sais pas trop, là c'était bizarre ce coup, et comme c'était un peu débarrassé de la balle. Et 0-1, service Taxala. Bonne première balle, toujours ce décalage de coup droit. Voilà, toujours ce décalage coup droit qui fait que derrière il se procure une volée ou un smash, hein, là en l'occurrence relativement facile. Un partout. Ah, c'était bien joué, c'était bien joué. Le croate a manqué de réussite, c'était bien joué, mais c'était bien joué des deux côtés. 2-1, Taxala. Service de Vald. L'amorti est un peu long, elle est surtout anticipée. Ce qui permet aux Polonais de faire un mini break, 3-1. Taxala. De prendre le service, un point de service du Croate. Qui paraît un peu touché physiquement. Là, il a des signes où il paraît un peu physiquement fatigué.
Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Belle réaction du Croate, là, qui donne tout ce qu'il a. Vraiment belle réaction avec ce revers le long de la ligne, qui n'a pas voulu subir l'échange comme il le subissait depuis un moment et être tributaire de cette attaque de coup droit du Polonais, décroisé comme il a l'habitude de faire. Et donc, il a pris l'initiative. Et beau revers et 3-2 pour Takala, service Takala. Ah, il a voulu changer, il a voulu la croiser, c'était bien joué. Il était peut-être moins en position que précédemment pour jouer ce coup droit décroisé. Et coup droit qui accroche le filet, 3 partout. Oh là 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 là, retour, le Croate est très nerveux là, retour. Takchak. Retour direct dehors. 4-3. Revers un peu long, dommage, 4-4. Beaucoup de pression dans cette fin de match. Hein. C'est là où on voit la pression dans ce volet du Polonais qui avait vraiment très très bien joué. Mais alors là, il a eu une retenue, le bras qui a tremblé. Du coup, la volée n'est absolument pas contrôlée. A donné un passing très facile pour le Croate, 5-4. Donc la pression monte énormément et que les bras tremblent et que ça va se jouer à rien du tout là. Ouais, sur ce service encore, beaucoup de retenue. Encore une raquette cassée. Le Polonais a joué ce point encore. C'est la troisième raquette qu'il casse. C'est incroyable. C'est incroyable. 6-4. Dans les moments importants de ce match, il a cassé 3 raquettes. Et là, c'était quand même important parce qu'à 5-4, ça donne 2 balles de match. 2 balles de match aux Croates. C'est dur pour le Polonais. Deux nouvelles balles de match pour le Croate. Pas facile, c'est dur pour le Polonais, vraiment c'est très dur parce que il mérite pas ça et je dis pas qu'il mérite pas que le Croate mérite pas sa victoire, mais c'est dur de perdre de cette façon là en cassant sa raquette et se retrouver vraiment avec cette balle de match contre lui là
Vraiment, c'est très dur. Mais belle victoire du Croate qui disputera donc demain la finale et je l'espère contre notre petit Français qui tout à l'heure jouera sa place pour demain.